Le ragondin a été importé d'Amérique du Sud à la fin du 19e siècle pour faire des manteaux de fourrure. Il s'est échappé des élevages et s'est multiplié outrageusement. Comme il transforme les berges des canaux en gruyères, il n'est pas le bienvenu chez les humains. Moi, il ne me gêne guère. J'occupe parfois les terriers qu'il creuse et de temps en temps, je croque quelques jeunes. Les humains devraient me remercier.